Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un unboxing avec la boutique Paint by Number Day. Donc c'est une boutique qui vend exclusivement de la broderie, voilà, des accessoires et d'autres petites choses, mais qui ont toujours un lien avec le fil. J'ai pris aujourd'hui une broderie. Et j'ai pris un accessoire. Donc, on va commencer par l'accessoire. Hop, je me rapproche un petit peu. Alors, voilà. Des ciseaux. Oui, encore. J'aime beaucoup les ciseaux. Il était un moment où je les collectionnais. Et voilà. Alors, ils sont un peu plus grand que d'habitude, mais donc ils sont en métal, voilà, et ils sont en, comment on dit, j'ai perdu le nom, à chaque fois j'oublie ce nom là c'est quand on a plusieurs couleurs comme ça qui se mélangent, voilà. Alors on a, je sais pas si vous allez voir, ben non, vous n'allez pas voir, ça m'énerve. On a un petit motif de fleurs, voilà, vous voyez, c'est des petites, ici, on a des petites fleurs. Bon, il tient bien la main, mais bon, il faudra que je mette deux doigts, là, pour que je tienne bien, parce que, un, ça va glisser. Donc je mets deux doigts dans le deuxième, voilà, et le pouce en haut, ça, comme ça, ça tient bien. Bon, il est peut-être un peu grand, mais je trouve très très joli, il est vraiment très beau, très léger, puis je pense qu'il coupe bien, hein. Bon, c'est pas bien, on coupe du papier avec, mais ouais, c'est bon, ça coupe très très bien. Ça c'est une chose qu'il ne faut pas faire, parce que si vous avez des ciseaux, alors chaque ciseau va avoir sa fonction, on va dire, je vous recule un petit peu, là par exemple on va s'en servir pour la broderie, donc on va couper des fils, voilà. Si vous faites de la couture, utilisez un ciseau tissu, mais vous ne couperez que du tissu avec, voilà. Si vous avez besoin d'un ciseau à votre bureau, vous utiliserez toujours le même ciseau pour couper votre papier, voilà. À la cuisine, pareil, vous prenez un ciseau qui ne vous servira qu'à la cuisine. Ça peut arriver, hein, des fois on a besoin d'un ciseau pour couper, alors moi je m'en sers pour couper les croupions du poulet. ou alors des fois le lard fumé au couteau, c'est des fois un peu dur à couper, donc je le fais au ciseau, ça va tout seul, voilà. Donc ça, vous allez vous en servir qu'à la cuisine, mais ne prenez pas, vous servez pas d'un ciseau que vous avez que vous coupez le tissu pour aller couper du papier, parce qu'après votre ciseau il va mal couper, voilà. Donc chaque ciseau a sa fonction. Voilà, c'était ma petite explication. Ensuite, alors, j'ai... le prix, pardon, je ne vous ai pas donné le prix. Alors, c'était le ciseau vintage titane coloré, voilà, à 3,96 $. Il y a de nombreux modèles, hein, sur le site, donc n'hésitez pas à aller voir, ou n'hésitez pas si vous voulez en faire collection. Ici, alors j'ai cherché, j'ai trouvé. vous savez que avant de choisir un article, avant de le valider, je regarde toujours si ça n'appartient pas à une créatrice ou créateur. Là, j'ai cherché et ce que j'ai trouvé, c'est que ça venait d'une marque américaine. Donc, j'ai pas trouvé le nom du créateur, par contre, ou de la créatrice, mais ça vient d'une marque américaine, la marque Jeanlin, je sais pas. C'est une marque qui est basée à New York.
Mais je n'ai pas trouvé le nom du créateur ou de la créatrice. Si jamais vous l'avez, ben, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. J'ai trouvé ce modèle très très beau. Alors, il y en a deux ou trois. Deux, je crois. Ouais, le deuxième, c'est sur l'automne. Là, c'est l'hiver. Donc, je pense, sans vouloir m'avancer, qu'il y aura aussi peut-être un modèle printemps et été. Souvent, si on trouve déjà l'automne, vous êtes de traviole, l'automne et l'hiver, je pense que le printemps et l'été devraient arriver également. Voilà. Donc là, pour l'instant, j'ai choisi l'hiver. Alors, par contre, c'est une. Alors, je l'avais choisi en 14 CT. J'ai choisi en 14 CT et je l'ai reçu en 11 CT. Ça me plaît moins, ça. C'est pas grave. Si vraiment c'est moi qui ai fait une erreur sur mon carnet, bah, de toute façon, je vais vous le remarquer à l'écran ce que j'avais vraiment commandé. Enfin, commandé, choisi. Voilà. Bon, je vous montre l'image. Ouais, 11 CT. J'aime pas beaucoup le 11 CT. Mais bon, on ne sait rien. Alors, mais de toute façon, comme c'est du pseudo-diocendé, on a un magnifique patron. Donc, si vraiment j'ai envie de le refaire sur une toile plus fine, je n'ai qu'à le faire. Voilà, je me sers du patron, je me sers des fils, et puis voilà, je le refais en point compté. Voilà le modèle. Alors, je trouve très joli avec toutes ces petites parties là, tous ces petits cadres, vous voyez. Dans chaque cadre, il y a une image avec le buis. Le buis, là, c'est des petites pommes de pin. Là, c'est des petites baies comme le hou. Qu'est-ce qu'on a aussi? Le panier de fruits, là, avec les pommes, les poires. Ah, mais ben, alors, il y a même une boule de Noël qui est cachée ici. voilà. J'ai dit le buis. Non, c'est le gui. C'est du gui. Là. Voilà. Ça. Et là-haut, c'est du gui. Pas du buis, du gui. Et donc, là, ça, c'est du hou. Voilà. Ici aussi. Donc, j'ai trouvé très joli. Alors, je cherche. C'est des. Le papier, il est très, très, très glacé. Donc, Catherine, si tu passes par là, je sais que tu n'aimes pas beaucoup le papier très glacé. Oh, il y a beaucoup de couleurs. Beaucoup, beaucoup de couleurs. Alors, on a 55 couleurs. 55 couleurs. Donc, on va avoir, pardon, du point de croix. On va avoir de la demi-croix, oui, de la demi-croix, et on va avoir du point arrière. Voilà. Là, c'est les nouveaux modèles de pseudo-diocendé, et on le voit parce qu'il y a les deux légendes. Donc, oui, je sais, j'ai une mise à jour à faire sur mon téléphone. Depuis tout à l'heure, j'ai un message qui passe. Arrête pas de se mettre pour me dire mise à jour, mise à jour. Alors, parce qu'il y a les deux légendes, c'est-à-dire on va avoir ici en premier la légende papier, voilà, et celle-ci ce sera la légende de la toile. Donc ça c'est pas mal parce que des fois sur les toiles c'est pas très très visible, mais du coup là vous l'avez sur papier.
Alors, niveau impression du patron, c'est pour ça que je vous dis, si j'ai envie de le refaire par exemple en point compté parce que j'aime pas trop le 11CT, ben, je peux, hein, vous voyez. N'y a aucun souci. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de points arrière. Voilà, vous voyez. Tout est. Pour ainsi dire, tous les motifs sont refaits en point arrière. Voilà. Donc, il faut aimer le point arrière. Moi, ça ne me dérange pas. Voilà. Et maintenant, alors j'avais dit la taille, alors on s'était en trois fils 53 sur 65. Alors je vais me mettre face à ma table pour vous montrer plus en détail cette toile. Voilà. Alors je vous montre les fils juste après. Et voilà la toile, donc elle est très grande. Là, du coup, en 11 CT, c'est vraiment très grand. Voilà. Je vous la montre en détail. Oh, ça fait. Vous voyez, c'est imprimé assez clair. Et là, c'est imprimé très vif d'un coup. Ça fait bizarre. D'ailleurs, c'est quoi ça? Ah, c'est ça. C'est le petit bout de nappe. Ça fait bizarre que ce soit enfoncé comme ça. Bon, c'est rien. Voilà, je vous montre. Ça va, c'est pas trop confetti. Hein. Il y a... Non, c'est même pas du tout confetti. C'est plein de petits blocs. Alors, niveau impression, bah écoutez, il n'y a pas de soucis, hein, vous voyez. Très bien imprimé. Voilà. Voilà. On va le replier un petit peu. Pour avoir de la place. Et maintenant, je vous montre les fils. Alors, comme d'habitude, on a les deux aiguilles. C'est les plaquettes qu'on aime bien. Alors, attendez. Venez là. Venez là, mes petits. Oh là là, c'est tout entortillé. Voilà. Donc, on va avoir des jolis verres. Toujours des beaux fils, hein, très brillants. L'autre côté. Voilà. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Voilà. Encore des verts, des roses et bordeaux. Là, ce sont tous des marrons, beige, un peu rouille, léger. Voilà. Et pour terminer, voilà, se mettre comme ça, du rouge, du noir, voilà, du beige, encore du vert. Voilà, des beiges et on termine par un rouge. Voilà.
J'essaye de bien les remettre pour pas que ça fasse de nœuds. Vous voyez, regardez les couleurs. Regardez-moi ça, comment elles sont belles. Regardez, même de l'autre côté. Vraiment de jolies couleurs. Ça, c'est à faire, mais je vous dis, à faire, si je le fais, j'ai bien envie de le faire, mais bon, j'ai beaucoup, beaucoup d'ouvrages. De le faire, mais sur une toile, comment plus fine, une étamine, voilà, même si c'est une Aïda, mais ce serait une Aïda beaucoup plus fine, voilà. Alors, ce kit de broderie sur le thème de l'hiver, c'est, il est où? Il est là, est à 11,40 $, voilà. Alors, en ce moment, chez Paint by Number Day, voilà, je vais y arriver, il vous offre un code promo, donc je vous le note là à l'écran, vous le retrouverez également en barre d'infos, donc c'est promotion moins 8 €. Ce n'est valable que pour un mois, une seule fois, et il y a 200 coupons de réduction uniquement. Donc, si vous voulez profiter de cette réduction, n'hésitez pas, faites vite. Voilà. Moi, je remercie beaucoup la boutique Paint by Number Day. Je suis toujours heureuse de présenter des articles de chez eux. Voilà. J'espère que ça vous a plu, ce que je vous ai montré aujourd'hui, plus les petits ciseaux, là. Voilà. Est-ce que vous avez déjà pris cette broderie? Du coup, est-ce que vous l'avez eu en 14CT, 11CT, ou est-ce que vous l'avez refait sur une autre toile? Voilà. Donc là, je vais vérifier. Je vous aurai marqué à l'écran, de toute façon. Je vous aurai marqué à l'écran, de toute façon, si j'avais choisi du 14CT ou du 11CT. Voilà. Ou peut-être que j'ai choisi 14 et qu'il n'y en avait plus en stock. Hein, et du coup, m'ont envoyé celui-là. Mais bon, c'est pas très grave. Je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous. Et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.